l'attaque à fond. Il y aura des hommes en forme comme Outaka, comme Moreira, comme Coridon pour donner un petit peu d'invention et de technique à ce match. Oui, mais il ne faudra pas tout confondre. Hein. C'est ça la difficulté. On sait que le Milan est costaud et fort, même si ce sont des joueurs qui ne jouent pas tout le temps. Et Lens devra être patient. Pirlo, il a effacé, il centre. Ouais. Et but pour le Milan AC. Ça, c'est... Ah, c'est terrible. Ricochet. Andriy Shevchenko après la tête de Thomasson qui met son deuxième but consécutif. Il avait marqué contre le Chievo Vérone. On l'a vu, son but en championnat. Très loin, Outaka. Outaka qui emmène cette balle. Il se revient sur lui-même. Le centre. Oui, seul. Oh, oui, 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 oui. Formidable. Quelle action de Daniel Moreira. Quelle action et quelle patte de Outaka. C'est le duo aîné qui avait fait mal à la Corogne, oh là là. En Espagne, avant de s'incliner. L'égalisation lensoise. Sibierski, il faut essayer de conclure avec dans l'espace Outaka. Outaka encore. Oh, c'était bien joué. Ah, c'était, c'était bien joué, Denis. C'est pas fini avec Coridon, le pressing sur Elbeck. Voilà ce qu'il faut faire, il faut continuer. Outaka, hey, oui, et oui, et c'est le but. Et c'est le but de la délivrance pour John Outaka et le Racing Club de Lens qui mène maintenant sur le score de 2-1 grâce à ce pressing qu'on recherchait depuis les premières minutes. Le pressing a existé, le but est marqué par John Outaka. Costa Curta encore avec Larsen. Larsen, monsieur Barber, en guerre, c'est terminé. C'est terminé. Le Racing Club de Lens qui l'emporte sur le Milan sur le score de 2-1. Et on a vu une belle image aussi. On la retrouvera, c'est celle de Guillaume Barbuse avec Colli, tout le groupe Lensois qui est récompensé de ses efforts.